Hey, salut YouTube! On se retrouve pour de nouvelles invocations sur Genshin Impact. Aujourd'hui, ce n'est pas sur mon compte, c'est sur le compte d'un abonné. Et oui, je me suis dit, tiens, il faut bien que je fasse comme tous les autres YouTubeurs. Il faut que je fasse du contenu facile pour que le référencement soit bon pour ma chaîne. Donc du coup, j'invoque sur les comptes de mes abos. Je suis sur le compte de Daedes. Il veut Ayaka. Et éventuellement, si on arrive à avoir Ayaka très tôt, on ira chercher son arme. Et du coup, il n'a pas invoqué sur Genshin depuis Utao. Hein. On regarde sa pitié là, hop hop hop. Il y a Utao qui est juste ici. Donc, ok, on va essayer d'avoir, plus de chance sur ton compte plutôt que sur le mien. Et du coup, en termes de 4 étoiles, tu veux Yanfei et Ningguang. C'est parti. Il a pas mal de primogèmes. Donc, j'espère que je vais pas tout dépenser. J'espère que ça va aller vite. Donc du coup, on est à... Allez, 20 vocations là. Là, on est à 20. Let's go. Pour Daedes. Je veux bien me faire shaft sur mon compte. Vous voyez? Mais il faut... Si je suis sur le compte d'un abonné, il faut qu'il soit Gucci. Mémoire de rituel. J'espère que tu voulais mémoire de rituel. Je n'en ai aucune idée. Hop, hop, hop. Il faut qu'ils gagnent tous leurs 50-50 et il faut qu'ils aient leurs 5 étoiles très, très tôt. On est à 30 vœux. Allez. Why not? Ok, why not pour le livre. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. On avait dit pas Chongyun. On avait dit pas Fischl non plus. Oh, quoique peut-être que tu voulais Fischl, je n'en sais rien. Mais en tout cas, oh, c'est des constellations. Au moins, ils ne sont pas full constellations. C'est... Il n'y a rien de perdu ici. T'as l'air heureux, Daedes. Mais regarde. Regarde. Là, on est à 40 invocations. T'inquiète. T'inquiète. Voilà. Voilà. Là, c'est la Yanfei. Vous avez vu à quel point j'avais beaucoup de chance avec Yanfei. J'ai réussi à l'avoir C6 sur ma session d'invocation. T'as aucun C6. Mais c'est parfait. Bah voilà. T'es gagnant, peu importe le 4 étoiles, tu es gagnant. Là maintenant c'est Ayaka. Là maintenant c'est Ayaka. 5. Oh mince, toujours pas. Pas de braquage, non. Là je ne braque pas. Oh, l'espace de Vavonius, il y a mieux. Hein. Bon par contre, si ça se trouve, vu que je me suis pas fait shaft sur la bannière d'armes, c'est peut-être à ce moment-là où ça va mal se passer pour toi. On verra bien. Allez, allez. Là... 60 invocations. On est à 60 invocations. Là, tu donnes 5 étoiles. Belle. C'est mon retour sur les invocations pour les abonnés. Il faut donner à Yanfei. C'est déjà ça. Mais genre, il faut que les gens se disent, ah, si c'est Alex qui invoque sur mon compte, ça va me porter bonheur. Vu que je me suis fait shaft juste avant. Mais apparemment, non. Apparemment, les 5 étoiles vont mettre du temps à arriver. 70. Eh, si c'est 70, c'est assez tôt quand même. Ah. Ah. Oh, bordel. Miyo. Ah, l'arc rituel. Arc rituel, c'est très bien. Miyo. Cette personne... Ok, elle n'a pas invoqué depuis 3 mois, 4 mois, 10 mois, je ne sais pas. Mais soyez gentil avec elle. Soyez gentil avec Daedes. Bordel. Allez, 8. 8. Voilà, les potes, c'est Ayaka. Bon, Daedes. Si jamais ce n'est pas Ayaka, tu veux que ce soit quoi comme 5 étoiles? Bon. Ne parlons pas de malheur. Bien sûr, on va gagner 50-50 puisque c'est moi qui invoque. Mais si... Jean. Ok. Mais ce sera pas Jean, ce sera Ayaka. Ce sera Ayaka, les potes. Regardez. Regardez. Regardez ça, Ayaka. Regardez ça, Ayaka. Regardez ça, Ayaka. Eh, c'est un bon signe. Un personnage cryo. C'est un personnage cryo. Ou Mona à la limite. Ok. Ok. Et voilà comment ça se passe ici. Et voilà comment ça se passe. Et vous savez pourquoi?
il a eu Ayaka, c'est parce qu'il est sub sur Twitch. Donc ceux qui sont sur Twitch, eh, vous utilisez votre sub Prime, vous allez forcément avoir Ayaka lors de votre 50-50. Eh oui, mesdames et messieurs. J'attends vos sub Prime pour que vous puissiez augmenter votre chance. C'est pas ce que je conseille le plus, mais on va du coup aller sur la bannière d'armes. Ce sont quand même de bonnes armes pour des supports. Et j'espère que tu vas avoir autant de chance que moi. Bon, quoique, je me suis fait... J'ai perdu mon 50-50, mais tout va bien. J'ai même pas vu à combien de pitsi on était sur la bannière d'armes. Ouais, on finit les primos, en gros. On ne recharge pas. Hey, Des, t'es free to play ou t'as mis un petit peu d'argent de temps en temps? Par curiosité. Ta-da-ta-ta. 6, 12, 18, 24, 29. 29. Donc on est à 30 invocations. On est à 40 invocations là actuellement. Full free to play. Full free to play, mesdames et messieurs. Il a économisé pour Ayaka et l'arme d'Ayaka. Et je suis là pour lui donner. Regardez, là c'est l'arme d'Ayaka. La prochaine, bien sûr. La prochaine. Ouais, les mais t'inquiète, on n'ira pas jusqu'aux as. Oh, dernière corde. Cette arme est tellement bien, mesdames et messieurs. Au moins, la bannière d'armes donne cette arme et elle est cool. Du coup, on est à 50 invocations. On commence à rentrer dans la soft pity. Regardez, là c'est le tranche-brume. Tranche-brume, c'est ça? Oh mince! Osef, les autres armes. Ouais, bon, les autres armes sont Osef. Donnez-lui dernière corde. Donc du coup, on est à 60. D'ailleurs, t'avais sélectionné ton arme sur le père. Donc, une autre dernière corde. Nice. C'est quoi? Reflet de ton range brume. T'avais sélectionné ton arme. Yep. Yep, yep, yep. Allez, là, c'est la dernière. Là, on lui donne le reflet. Ok. Ok, regardez. Il a décidé d'invoquer chez moi. Je lui donne tout. Je lui donne tout. Regardez. Regardez. C'est le reflet qui est juste... Une lance. Ce n'est pas bon signe. J'ai fait mes invocations, oui. Oh. Ce ne sera pas la berge de la voûte d'azur, les potes. Non, ce ne sera pas la berge de la voûte d'azur. On est là pour... Cette arme qui va suivre, qui est... Le reflet de tranche brume. Mais bordel, ça c'est... Bon, c'est pampis noir, meilleure arme du jeu, qui vous permet de faire plus de dégâts sur les blocs. Je me suis trompé. C'est la prochaine. Reflet de tranche brune. Bordel. Lance-pierre. Mais ça c'est pour Goru, on s'en fiche. Qu'il lance des pierres avec ça. Reflet. Bon. Bon. C'est une arme qui est pas mal quand même sur Xiongling support. On s'arrête quand il n'y aura plus de primogène. Il économisera pour l'archon Dendro. Merci Miyoyo. On passe. Oh non, j'ai pas réussi à passer. Ah, mais tout ça pour les épées de Favonius en plus. Mais vous croyez qu'on se préoccupe de l'épée de Favonius? Non. On est là pour lui donner le tranche brume. On est là pour donner le tranche brume à Daedes. Oh, Xiongling, justement. Tiens, pour jouer à la berge de la voûte d'azur. T'as Xiongling ici. Ok, ok, ok. Passé. Ok, on s'en fiche. On est à 3 invoques, hein. 3 invoques. Sur un nouvel pity. Oh, bordel. Ne l'emmenez pas jusqu'à une autre pity. Imagine, il donne la voûte d'azur. Non, 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 il faut pas que je dise ça. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Bordel. Non, 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 non. Vous sentez pas de deuxième berge. Vous ne sentez pas de deuxième berge. Non, 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 non. Il n'y a pas de deuxième berge ici. Miyoyo. Un fidèle free-to-play. Vous avez le droit de me shafter moi, mais ne shaftez pas Daedes. Please. S'il vous plaît. Là, c'est bon. C'est la multi. C'est la multi.
Oh, mais bordel. En plus, ils vont t'emmener jusqu'à la pitié à chaque fois. Hein. Allez. Vœu par vœu. On va la voir un par un. Regardez. C'est... Ok, ok, ok. Vœu par vœu. Je ne lui fais pas dépenser plus de primo. Ah, mais un 4 étoiles, on s'en fiche. Eh, hey, c'est Bennett. Une constellation de Bennett. Nice. Je suis sûr que tu le voulais. Hashtag boycott Genshin. Ah, on enchaîne. Codex. Code de Favonus. Elle. Bro. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ne l'emmenez pas jusqu'à l'appétit. Ah, ah, berge, pas la berge, pas la berge, pas la berge, pas la berge. Oh, j'ai eu peur. Oh, j'ai eu peur. Le dernier vœu, c'était les dernières primogèmes qu'il avait. Il a eu le reflet. Oh, sur la dernière. Bien joué, Daedes. Tu as gagné un 50-50 et tu as au moins eu berge plus... La nouvelle arme 5 étoiles. Qui est magnifique. Et en plus, ça avait pas la berge. Bon, bah, c'est bien. Si jamais tu joues Xiangling, Xiangling, voilà. Tu pourras remplacer la lance de Favonius par berge de la voûte d'azur. C'est ce que je vais faire puisque je me suis fait shaft avec ça.